Madame, monsieur, bienvenue dans Si beau mon pays. Si beau mon pays, c'est une balade dans les différents paysages de notre pays, de notre continent. Si beau mon pays, c'est un voyage au cœur de nos cultures, de nos traditions. Pour ce numéro de Si beau mon pays, nous embarquons pour Savin, l'escale vole de tout. Venez avec nous. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans la pittoresque et historique cité de Savin, Ekaboni Luchabe. Nous sommes ici à 255 km de Cotonou, au centre du Bénin, naturellement. La cité de Savin est traversée par la route nationale numéro 1 et c'est le centre urbain de la commune qui porte le même nom. Et c'est le maire de la commune qui nous accueille. Allons donc à la rencontre du maire. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, madame la journaliste. Comment vous allez? Très bien. Et comment ça se porte dans la commune? Très bien, dans la commune de Savin. Nous sommes ici à Savin. Ah oui, bien sûr. Et c'est quoi la superficie de votre commune? Ville et commune limitrophe de votre commune? Merci, je pense que la commune de Savin est au centre du Bénin, à 255 km de Cotonou. Et elle fait partie des six communes du département des collines. Ouais. Elle est limitée au nord par la commune de Ouessé. Au sud, par Ketou, à l'ouest, par la commune de Dassa et la commune de Blazoué, et à l'est, par le Nigeria. Ah, nous sommes donc non loin du Nigeria, non, vous voulez dire. Nous sommes à la frontière du Bénin-Nigeria. Ah, d'accord. Donc, elle a une superficie de 22 228 km² avec 87 379 habitants. Elle compte 8 arrondissements, ouais, dont 3 urbains, ouais, et 60 villages administratifs. 60, c'est quand même pas, c'est pas peu, hein? Non, c'est pas peu, oui. Donc, elle compte 60 villages administratifs. Et aujourd'hui, elle est basée en matière d'activité économique sur l'agriculture, le commerce, l'artisanat, et tout fraîchement sur le sport et le tourisme. Ah, le tourisme, voici un aspect qui m'intéresse, monsieur le maire. Oui. Le tourisme. Bon, oui. Lorsque vous voyez en réalité notre culture, on est venu de quelque part, et par rapport à notre histoire, je pense que c'est des choses que nous devons valoriser en termes de tourisme. Puisque à Savin aujourd'hui, nous avons des sites où nos parents ont fait quand même des actes que nous ne devons jamais négliger. Monsieur le maire est en train de nous inviter tout de suite à la découverte oui. de... C'est une entrée en matière que nous n'avons pas ratée. Je pense que vous avez nous l'occasion allons, nous avec... allons vous suivre et vous retrouver et tout au long de notre balade pour viser. Nous irons visiter ces sites dont vous avez parlé. J'ai envie d'aller vous expliquer, mais je n'aurai pas tous les éléments essentiels à vous donner. Donc je pense qu'on a des gens qui sont bien indiqués. On vous retrouvera tout au long de cette balade. Merci, madame. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci également. Monsieur Ewedje, un témoin privilégié de l'histoire de Tchabé, ou de Savin, je dois dire. Pas de Tchabé. De Tchabé. Tchabé ou et Savin, aussi un monsieur qui s'est investi dans la recherche de cette histoire-là. Dans ce sens que le maire nous a recommandé d'aller voir monsieur Ewedje. Monsieur Ewedje est donc un monument de l'histoire de Tchabé. Est-ce qu'on doit dire Tchabé, Savin ou Idadou? D'accord. Le mot Tchabé est un nom propre de personne. Tchabé. Tchabé est un nom propre de personne. C'est le cinquième petit-fils de Odoudoua. Roi d'Ileifé. Oui. Oui. Pour certains que vous allez rencontrer, ils vous disent que Tchabé, c'est Tcha Edé. Les Edé, c'est des lianes épineuses qui étaient au pied des collines. Oui. L'autre le disent Tcha Tchabé, hein, c'est chaque là, oui, pour qu'on construise les demeures. Oui. Pour une autre catégorie, c'est Tchaoulobé, qui est une déformation du mot Tchaloubé. Hein, que les gens, le long de leur exode, le délai fait, oui, par Oyo et Boko, Niki, Parakou, pour arriver ici. Certains disent Saloubé, d'autres disent Tchaloubé. Et c'est cette déformation de Tchaloubé qui donne Tchabé,
D'accord. Donc, le nom propre, le nom même, c'est original, là, il est fait, c'est Tchabé. En réalité, les populations Tchabé sont des Yoruba. Ce sont des Yoruba, de souche. De souche. Hein. Pourquoi est-ce que les populations se sont installées au pied de ces collines? Je disais que l'itinéraire que les gens ont adopté était déjà que la présence aujourd'hui des populations au pied des collines, dans le cadre du salut, de l'homme même, c'est la sécurité qu'il recherchait. Les hauteurs servaient d'observatoire. C'était en quelque sorte le radar qui permet de détecter les négriers de loin. L'armée ennemie de loin. D'accord. Et ça permettait à la population de prendre le large, d'aller se réfugier sur les hauteurs. Cette colline-là, on voit quatre, les fameuses mamelles de Save. Oui, c'est les mamelles. Est-ce que ces mamelles-là ont des noms? Oui. Vous voyez, le premier. À partir d'ici? À partir de la droite, on dit la gauche, oui. Vers la droite. Oui. C'est Onipopo. Onipopo. Oui, c'est son nom. Onipopo. Oui. Et le second? Le second, oui. Dôme, c'est Inaï Tchabé. Inaï Tchabé. Littéralement la mère de Savé. La mère de Savé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que en temps de crise, en temps de guerre, ça servait d'abri à la population. Et le troisième? Le troisième, c'est Akafo. 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 Ça servait quoi? C'est, qu'on dirais-je, c'est l'un des deux, ouais, il a plutôt la forme pointue de la jeune fille. De la jeune fille, ça c'est pour les personnes d'un certain âge. D'accord. D'ailleurs, les deux qui se suivent, oui, Akafo, oui. Akafo. Le dernier, c'est quoi son nom? Le dernier, c'est Abonyokogu. Abonyokogu. La gestante ne peut pas monter. Ne peut pas escalader. Bon, on ira voir ça de plus près. Bon, comme okay. Bon. Juste à peine monté, on a un beau panorama de la ville de Save. En hauteur, on va voir ce que ça va donner. On va continuer de profiter alors du panorama, de la beauté du paysage tout en montant. Dès que l'ennemi a découvert, on se lit. On roule. C'est naturellement comme ça. Pour observer, les gens se mettaient au bout là-bas ou bien ils restaient ici? Ici, c'est le souverain. Ah! L'un des souverains qui. Lui vient en pacha ici. C'est le souverain qui reste ici. C'est pourquoi on a fait des remparts qui étaient de 2 mètres. C'est plus. Quand vous vous approchez, oui. Votre taille par rapport à ça. Et c'est. Il y a plus de 300 ans que ça va s'éduquer. Toutes ces pierres-là, c'était. Ça faisait partie du rempart. Avec l'érosion, le vent, la pluie, le temps, ça s'affaisse. Ouais. Il faut voir ce qui reste. Ça donne une idée de ce que cela était. C'était en réalité. Nous sommes là dans une citadelle défensive de Save. Oui, le danger venait d'où? Est-ce que ça venait. Bon, ça ne peut pas venir de derrière les dômes-là. Mais ça venait d'où? Oui, l'homme est très intelligent. Ça a ceinturé la ville. Il dit quand ils viennent, ils échouent une fois. Oui. La seconde fois, ils prennent d'autres directions. Pour arriver à ces hauteurs, il faut avoir des qualités athlétiques. On ne monte jamais tout droit. Il faut zigzaguer en montant pour éviter d'être soufflé avant d'arriver au sommet. Sur ces hauteurs,
qui offre une vue magnifique de Savay et même de ces dômes que nous voyons quatre de loin et de près d'eux, une bonne partie de l'histoire du Bénin a été écrite avec la sueur et le sang de ces populations qui luttaient pour leur survie, pour échapper à l'esclavage. Savay est une cité historique. Historique en ce sens que cette ville a été le centre de décision, de grandes décisions qui ont marqué le Bénin, voire l'Afrique. Parce que Sékou Touré et ses compatriotes se sont rencontrés ici juste avant l'indépendance de leur pays. Avec M. Faletti, nous allons continuer la découverte de Savay. Suivez-nous. On l'appelait campement. Ça servait d'hôtel ou de restaurant à tous les patins administratifs sur le terrain. C'est un bâtiment de type colonial. C'est administratif, oui. On va s'approcher pour voir de près. C'est depuis 1894. C'est pendant la colonisation. La colonisation, on l'appelait campement. C'est ici maintenant qu'a eu lieu la dernière rencontre des gens de la Guinée. Ouais. Réotra, le syndicaliste, le grand syndicaliste, vous allez faire la recherche sur lui. Chez vous, il s'appelle Traoré. Mmh. Et on dit Réotra. Traoré, Réotra. Avec Sékou Touré, ils ont tenu une grande réunion ici. Même Sékou Touré? Oui. Ils sont venus, je sais à quelle année, ils étaient petits. Et après, ils ont dormi ici, ils ont fait au moins 2 à 3 jours ici. Petit, vous avez pu les voir, les petits. Moi, je vous dis que je ne venais pas en intellectuel, je venais en curieux. J'étais curieux à la poursuite des boîtes de sardines, de cornbeuf qu'ils jetaient par la fenêtre quand ils finissent la réunion et nous on prend. En réalité, au temps des colons, ça avait été quoi? C'était un siècle. C'est l'équivalent de quoi aujourd'hui? C'est l'équivalent de la commune. De la commune? Oui. Et c'était quoi les avantages d'être un siècle ou un canton, vous avez dit? Un siècle. C'était quoi l'avantage d'être un siècle? Un cercle, c'est tout ce qui réunissait presque tous les bureaux administratifs. Donc, c'est ici, c'était ici le cercle, le chef-lieu de cercle, le bureau. Les bureaux. Les bureaux de cercle. Et le haut était la résidence du commandant de cercle. Ici, c'est la salle d'accouchement, ouais. De consultation du médecin. Oui, ici, là. Le médecin, il consultait. C'est le même bâtiment où dont. Vous voyez la fondation là. Oui. C'est là où étaient on faisait la consultation, on faisait les pansements. De toutes les façons, c'est là où les premiers soins sont obtenus avant que l'on ne procède à l'hospitalisation. Écoute. La génuflexion est sous-tendue par l'âge. Si par exemple, moins âgé que moi. Oui. Normalement, s'il doit me saluer sur le plan culturel, il doit se mettre à genoux. Culturel ou cultuel? Cultuel. Cultuel. Selon le culte même, le culte de notre ethnie. Oui. Il doit se mettre à genoux. Mais si c'est le roi qu'il se salue, il doit se mettre à plat ventre. Pour saluer le roi. Pour saluer le roi. Ou si c'est son beau-père qui est en train de saluer, il doit se mettre aussi à plat ventre. Si c'est la belle-mère, il doit se mettre à plat ventre. Donc, le père, la mère, le roi, on doit au plat ventre. Mais pour les supérieurs, les crises âgées, on doit à l'agenouillement, simplement. Maintenant, pour le simple. Mais si moi, je vais vous saluer maintenant. Bon, si vous voulez me saluer, en tant que savant, vous voulez me mettre à genoux. Vous mettez à genoux, tout comme on fait. C'est pas culturel, c'est culturel, ça. Culturel et culturel. Ah, d'accord. Donc, ici, nous avons le bâtiment là. Je vais prendre le bâtiment. Là où les gens sont habillés. Le conseil présidentiel est né. Là. Oui, c'est dans ce bâtiment-là que le conseil présidentiel a lieu. Là où les gens vivent, là. Là, c'est ce bâtiment-là qui a donné naissance au conseil présidentiel. C'était quoi en son temps? C'est une maison d'habitation qui appartient à M. Aboudoumourou, un commerçant qui est à Parakou. Il est d'ici. C'est lui qui a construit cette maison. Voilà un de ses frères. C'est ici que le conseil présidentiel a eu lieu. C'est ici qu'il est né. Ils ont tenu la réunion là. Ils ont tenu la réunion là et la décision est sortie de là. Et nous, on sait que le conseil présidentiel montre à trois têtes est sorti d'ici. C'était des habitations comme ça? Oui, oui, c'est comme ça. Aujourd'hui, ils en ont fait une clinique. Ah, c'est devenu une clinique aujourd'hui? Oui, oui. Donc,
ici, non? C'était l'habitation de quelqu'un? Oui, oui. Avec ça. Et les gens, avec les, tout ce que vous avez vu là. Entre-temps, Kwandoté avait demandé aux trois là de se réunir à l'état-major, ils sont réunis à l'état-major pour leur dire, on les a enfermés dans la chambre pour leur dire, de s'entendre dégager un chef. Les trois là, c'est Hubert Maga. Apiti et Amaribé. D'accord. On leur a dit de dégager un chef. Ils n'ont qu'à dégager un président de la République. Un seul président de la République, ils n'ont pas pu le faire. Mais n'ayant pas pu le faire, ils ont dégagé, on les a laissés. Après les avoir laissés maintenant, dans quelle suite enquête on ne comptait pas avoir maintenant, on a demandé à Apiti où est-ce qu'ils veulent qu'on se réunisse pour que la réunion, pour que le consensus soit dégagé. Il dit en tout cas, lui ne bouge pas de Porte-Nouveau pour aller à Abomey. Tout comme Maga disait que lui aussi ne bouge pas de Parakou ou du Nord pour venir à Porte-Nouveau ou Cotonou. Si les gens ont besoin de lui, ils n'ont qu'à arriver à Parakou. À Oumanoué était installé à Cotonou. Si ils ont besoin de lui, il faut qu'on vienne à Cotonou. Donc de fil en aiguille, ils ont pu s'entendre pour dire, bon, il faut leur trouver un lieu neutre. C'est dans la recherche de lieu, la neutralité du lieu qu'on doit chercher, qu'on a choisi ça avec. Et que ça avait engendré, engendré le monstre à trois têtes. C'est pour dire que ça avait, le monstre à trois têtes est né ici. Nous sommes là donc devant, un bâtiment historique. Historique qui a donné naissance au monstre à trois têtes. Mais on va quand même voir, on va quand même s'approcher de ce bâtiment-là. C'est ici qu'on a dégagé les trois à Oumaregué, Apiti et Maga pour être président de la République à tour de rôle. Maintenant, arrivé là-bas, ils vont se répartir le tour. Qui commencera le premier, qui commencera le deuxième, le troisième, on ne le sait pas. Mais ils ont pris la décision de diriger le pays en toi. Mais progressivement, par rotation. Pour la première fois dans ma vie, quand j'ai commencé par prendre le vin, c'est en 1949. 49 Oui, 1949. Et c'était pour... Je suivais mon grand frère, j'étais petit. Mon grand frère m'a mené dans son lieu de poste pour aller à l'école. Comment ça s'est passé le voyage? C'est passé très bon, ça s'est bien passé. À ma grande surprise, moi, on m'a ramené du village. Quand j'étais là-bas pour une première fois, je vais prendre le train. C'était une grande fête pour moi. C'est le train à charbon, hein. C'est aussi bien que quand ça se déplace, vous avez du feu, vous avez de la flamme, vous avez des étincelles. Comment mettait le charbon dedans? On met le charbon dedans. Ceux qui sont chargés de mettre du charbon, là, on les voit. Et quand on y met du charbon, d'ailleurs quand ils descendent du train, vous savez que ceux-ci vraiment travaillent dans le train. Ils sont noirs, confondus même à chose. Au charbon. Au charbon même. Bien habillés en bleu mécanicien, tricot bleu mécanicien. Et quand ils descendent, on sent de la tête jusqu'aux pieds, ils sont noirs. Et comment... Et nous qui sommes, qui avons pris le train, et surtout qui sommes à des endroits donnés où l'air doit rentrer, oui. Nous recevions les coups d'étincelles. Les étincelles qui jaillissaient du feu, du charbon qui brûlait là, et ça piquait, ça trouait nos chemises. Comme ça, on sait que vous avez pris le train. On a vu le train quand on descend. Autrefois, la seule voie praticable, oui. Facilement, c'était les rails. C'était les rails. Donc c'est après que... La route là, à part, on peut compter les camions qui passaient. Oui. Les cargos. Un cargo comme camion là. Oui. Quand ça passe, ça doit passer de la première vitesse à la deuxième vitesse à Glasgow. Oui. Ici, on entend le bruit. Vous entendez grand, gros. Parce que... C'est le bruit du... C'est le bruit du camion, là. Avec les escaliers. Ah oui, parce que la voie n'était pas bitumée. Je ne peux pas dire qu'elle n'était pas bonne. La voie était trop bonne. Vous avez appelé ici quand? Là, Socotable. Société de commerce de tabac. Et ça existait jusqu'à quand? Ça existait jusqu'à la révolution, jusqu'en 72. C'est après, je vous ai dit qu'il y avait des sociétés d'intervention, on avait des associations de jeunesse anti-impérialistes qui avaient lutté contre ceux-là parce qu'ils achetaient ça, selon eux, à vil prix. Chez les gens, selon les associations. Jeunes, les culturels, les intellectuels. Là. Oui. Ils ont monté la population pour aller contre la culture du tabac, d'un, et de deux, pour ne plus en donner et en faire, parce que les gens nous taquinent selon leurs choses. Alors que ça donnait du travail aux jeunes garçons et aux jeunes filles de la région. Et ça finit par s'inscrire.
c'est parti. En Côte d'Ivoire, on n'a plus rien. On n'a plus produit. Mais la culture de tabac finalement a été remplacée par quoi? La culture de tabac finalement a été remplacée par des cultures individuelles de maïs. Avec la politique de Maga, la toute première politique de Maga en 63, qu'on a imposé ceci, cette culture-là qu'on appelle l'acadou. L'anacade. Une immersion dans la culture de l'air culturel Nago-Yoruba nous conduit immanquablement vers la danse Guélédé. La danse Guélédé qui a d'ailleurs été reconnue comme patrimoine de l'UNESCO en 2010. Et à cet effet, une maison de Guélédé a été construite à Savé. Nous sommes d'ailleurs dans le hall d'exposition des masques que vous pouvez voir derrière moi. Cette maison-là, cette maison de la danse Guélédé à Savé abrite la plupart des danses de l'ère culturelle Nago. Les danseurs viennent d'un peu partout, de Savé, de Kétou, de Banté. Et nous allons voir tout à l'heure une de ces danses. On l'appelle Ké. C'est une danse qui s'exhibe lors des manifestations officielles. D'abord, si le roi veut faire son anniversaire, il appelle le Ké. Il vient avec tout son groupe pour danser. S'il y a par exemple une réception, un accueil officiel aussi, le président de la République ou un ministre ou un député qui veut s'exprimer dans le village, on les appelle, ils dansent pour toutes les occasions de joie. Oscar Aderomou, étudiant à Savé, qui nous accompagne dans les rues de Savé. Bonsoir Oscar. Oui, bonsoir madame. Comment est-ce qu'un jeune se distrait à Savé la nuit? Ok, la nuit à Savé, pour se distraire, bon, on n'a pas de centre de loisirs, mais c'est nouvellement qu'on a une boîte de nuit. Mais avant cela, on avait un espace culturel appelé Awa Culture. Bon, mis à part cela aussi, c'est de se regrouper autour des tables de jeu, sous les lampadaires, discuter, et bavarder, échanger des idées, ou bien se retrouver dans les buvettes autour des tables, c'est tout, comme ça. Comme le bruit de la musique que j'entends, voilà. Ça vient d'une discothèque. Oui, voilà. À Savé, les matins sont rythmés par diverses activités. Les vendeuses qui doivent aller vendre s'activent autour de leurs activités. Les petits-enfants autour des bols de bouillie après avoir salué les grandes personnes. Les personnes du troisième âge, elles, par contre, se dirigent en général vers l'église car elles ne sont pas revenues de la mosquée. À Savé, même si la ville se réveille progressivement, la Placita est déjà animée depuis plus de 3 heures du matin. Les vendeuses qui cherchent leurs clients, les passagers en direction de Parakou et de Cotonou qui viennent chercher ici leurs moyens de transport. En réalité, à Savé, la première place à se réveiller ou à ne pas dormir du tout, c'est la Placita où nous sommes. Le petit déjeuner classique à Savé, c'est la bouillie de maïs, la bouillie à base de maïs, accompagné de beignets, de différentes sortes de beignets, beignets de blé, qu'on appelle le veau de corps, ou beignets de haricots. Bon appétit!